Alors, si j'étais un plat gastronomique, je serais plutôt la pipérade au jambon de Bayonne, parce que j'adore, avec des bons œufs brouillés là-dedans. Mais il y a aussi la poule au pot. La poule au pot, c'est très important parce que c'est politique. Voilà qu'un homme, roi, Henri IV, a décidé pour tout son peuple un plat pour le dimanche. Et ça, c'est presque en avance les restos du cœur. Je veux dire, c'est quelqu'un qui s'est préoccupé de ce que mangeaient ses concitoyens. Eh bien, je serais la gourmandise parce que je trouve que c'est le meilleur des péchés capitaux et que apprécier la vie passe par la gourmandise. Donc pour moi, c'est presque pas un péché et je pense que c'est goûter l'existence. Alors, si j'étais un film, je serais un film d'un Danois qui s'appelle Axel, je crois. Je crois me rappeler qu'il s'appelle Axel et qui s'appelle Le Festin de Babette. Parce que là aussi, il ne se passe rien dans ce film. Et en ce moment, je trouve qu'on a besoin du rien. Alors qu'on est assommé de publicité, on est guidé dans ce qu'on doit acheter, dans ce qu'on doit manger. Là, c'est le temps qui passe, qui s'égrène avec l'idée de cette fragilité de la vie qui passe, et juste à la fin, le plaisir de goûter une nourriture sublime que quelqu'un a préparée avec tout son amour. C'est juste ça le sujet. Je crois qu'on a besoin de plus en plus de choses simples qui rejoignent le bon sens et le savoir-vivre.